Zami pam, comment y? Jodi a nou pral montre ou comment pour gérer texte dans OBS Studio. Comment pour faire un défilement, comment pour faire un texte avec un dégradé, tout ça. Nou pral montre ou comment pour gérer texte yo dans OBS Studio. Et avant tout, nou pral montre ou comment pour faire un défilement, comment pour mettre un texte qui a défilé dans OBS Studio, l'a passé une vidéo. Tant que j'en ouais nèg qui compte passer nos vidéo qu'on a fait, vous comprenez? On va le montrer comment pour faire ça bien propre, on va le voir tout petit détail net. OK. Pour nous commencer, nous ouais que nous gagnons texte là, vous comprenez? Et mes texte là et on est OK et puis tout me passer le pas en l'air. Nous ca ouais texte ça tu dois passer là lui-même OBS Studio là. Et comme les gens font qui blanc en balle, ou obligé pas à well à cause de ça. Vous comprenez? Pour nous, ça nous va le faire nous-mêmes. Nous appliquons deux fois ce texte-là. Vous comprenez? Après ça, nous allons aller dans la couleur. Vous comprenez? Nous allons sélectionner la couleur. Et puis tout, nous allons choisir la couleur que nous avons envie de texte-là. Vous comprenez? Nous mettons le soleil. On dit nous essayons rouge-là. Et puis tout, nous pesons OK. Après ça, nous pesons OK encore. Ou texte là, il est changé en rouge. OK. Mais zami pam et il y a un bagage qui est plus important toujours avant ou mettre texte là à défiler. Qui ça? Ou doit mettre un fond en bas texte là pour le capi bien paraître, pour le plus belle, pour le plus clair, pour le plus nice. Pour mettre fond ça qui ça va le faire? Ou garder dans source et puis tout ou ajouter une source. Vous comprenez? Et puis tout va ajouter source de couleur. On va cliquer sur lui et puis tout va cliquer OK. Et puis tout va cliquer OK encore. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va peser Alt. On va peser Alt et puis tout va peser point ça et puis tout pour glisser. Sorry, m'après mettre encore. On va peser Alt et puis tout peser petit point ça et puis tout glisser. Souris à descendre. Vous comprenez? Vous glissez souris à descendre dans la zone là. Vous comprenez? Et puis, vous prenez texte là. Ou mettez sur lui. Ou cliquez sur texte là. Ou passez par en l'air. Vous comprenez? Après ça, vous faites agrandir texte là tout petit. Et puis, tout, ou mettez dans le mitan. Vous avez texte là lui-même. Automatiquement, la passe, li doit être plus long. Vous comprenez? Et puis, tout, ou écrit. Plus bagaille toujours, mettons point, mettons espace, et puis tout peser OK, et puis tout frontière avancer là encore, et puis tout texte là à passer. Vous pouvez peser flèche en l'air pour qu'à bien placer. Vous comprenez? Texte là à passer, après ça, vous pesez transition. Vous avez un texte qui a passé par en bas vidéo à passer. Vous comprenez? Pour qu'à faire un bagaille qui très pro. On a anzi si nous besoin font l'autre texte et non sens nous besoin bel texte côté n'a parlé ou bien somme là nous pas mettre vidéo nous pas mettre vidéo n'a parlé mais nous besoin bel texte pour comprendre qui pour paraître vous comprenez nous besoin bel texte qui pour paraître dans écran là pendant n'a parlé qui ça n'a fait n'a pas ajouté l'autre texte vous comprenez. Et on dit la écrit et mission Paola et puis tout nous cliquons sur OK et puis tout ça nous font petit baisser le tout petit nous mettons la mi-temps. Là, nous pas entrer dans tout petit détail qui gagne en dedans option texte là. Là, on ka choisi yon font, yon police, yon texte. Vous comprenez? On va changer texte là. Regarde texte ça pour texte ça plus belle, vous comprenez? Et puis frais. On fait transition. On dit texte ça yo même yo doit sous machine noire spécialement comprendre
Si vous passez au marché noir, on ne peut pas jouer. Va finir avec ça. Va finir avec ça. Va aimer ça même. Ça va mal tout. Ok, Zamien. Là, nous montrons comment pour changer texte là. Vous comprenez? On va utiliser l'option ça. Après ça, transformation. Transformation, il y a majuscule, minuscule, minuscule et capitalisation des mots. Bon. Ça, on dit ça pour le texte n'a pas changé là, c'est parce que nous avons écrit en majuscule déjà, et ça pour le texte n'a pas changé là. Ok, là c'est pour virer le texte là, vertical. Ok, nous avons besoin de ça. Là c'est pour sélectionner une couleur, nous avons besoin de ça tout. Là c'est pour gérer l'opacité du texte là, vous comprenez? Là c'est pour gérer l'opacité là. Et là c'est pour mettre un arrière-plan dans le texte là. Donc là on va mettre un fond rouge. Allez. Là on va mettre un fond rouge pour y avoir augmenté l'opacité là. Vous comprenez? On clique OK. Vous comprenez? On fait un petit agrandir. Vous comprenez? OK. Mais bah mes gens font pas le casser là. So, ma petite opacité là c'est comment pour aligner texte là et là il aliment vertical, ça c'est horizontal, vous comprenez? Là c'est pour mettre contour. Est-ce que nous allons mettre un contour et qui pour laisser de la page rouge, mettre un contour rouge et puis tout. Ouais, ça me zoule, nous mettons l'envin pour le bien paraître. Nous ca baisser dans l'opacité à tout. Vous comprenez? Le baisser vient bailler. On petit rouge gris là tout petit. Et option ça me beaucoup aussi, par contre ça lié. On va ça lié. Bon, on va voir ça le faire. Si on va voir ça le faire, on va déboucher. Option ça lui-même. Ok, ça est pour personnaliser taille là. On va besoin d'option ça. Et quand on a le mettre en dégradé, on a cliqué sur dégradé. Vous comprenez? On a dégradé quand on a. Donc, deux couleurs, une bande deux couleurs, vous comprenez? Et on va sélectionner une couleur, on va mettre un bleu, on va peser OK. Quand on a une bleu sous couleur principale là qui était blanc, quand on a une change couleur principale là, on met le rouge. On a vu un bleu et rouge. Vous comprenez ça même? Bah, il n'y a pas magie, c'est juste suivre et plutôt appliquer la confère. So, on a nous un rouge et blanc là. On va descendre dans l'opacité dégradée à tout petit. Bon, il y a de faire ça. Ok. Ok. On mette noir là du tout. Passez noir du tout. Et puis tout ça même,
Ou ka met ton ti teks kon sa e pi tou ap pale sou pa vle paret ou met ton mesaj ap pase pa an ba. Ou jòs ekri nou pral komanse. Ou sa m di lan. Ou jòs fè nou twa kon sa m pa konnen fè sa ou vle fè avèl. Men selman nan video sa m montre ou koman pou jere teks sou OBS Studio. Et ki donc si yon plezi pou mwen et chak lè m fè yon tutoriel pou m pataje avèl nou. So map mande ou an retou pou like, pataje, komante e pi tou. Abonnez à la chaîne là, pesez cloche notification pour pas rater une vidéo. Et puis tout n'a pas qu'on ait vidéo disponible grâce à Haïti Connection, Boutbarre.com, 509 Business, Affaires Chaîne, Animate, Clé Promo. Ciao, ciao.